Bonjour, on me demande souvent un tuyau ou un bon plan de jour. Je vais vous donner une méthode pour le trouver vous-même, pour le calculer vous-même. Évidemment, ce n'est pas fiable à 100%, mais par contre, c'est une méthode très simple qui demande quelques minutes. En quelques minutes, vous pouvez trouver le cheval du jour. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez sur le site du PMU qui vous ouvre une page comme celle-ci. Et donc en haut à gauche, vous allez trouver les réunions, hein, qui ont des petites fenêtres comme ça, et en dessous les courses correspondant à la réunion. Quand on change de réunion, les courses changent également. Donc première réunion, première course. Simplement, quand vous ouvrez la page, les chevaux s'affichent et l'un d'eux, le favori, est en jaune, hein, sur une ligne jaune. En l'occurrence, ici, c'est le numéro 15. Et tout à droite de cette bande jaune, il y a un chiffre qui est en fait la cote, enfin le rapport probable. Et de l'autre côté, tout en bas, vous allez trouver le nombre de partants. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est de diviser ce 3 par le nombre de partants. Ce qui donne 0,166. Alors vous notez ça bien précieusement sur une feuille de papier. Donc R1, C1, réunion 1, course 1, 0,166. Ensuite, vous faites la même chose avec la course 2, hein, 3,3 divisé par 13, ce qui donne 0,254. Donc R1, C2, 0,254. Et ainsi de suite, hein, avec troisième réunion. Alors 2,4 divisé par 16, ce qui donne 0,15. Si éventuellement un cheval est non partant, vous ne divisez pas par 11 comme ici, mais par 10. Hein. Il faut enlever le cheval non partant. Donc 2,3 divisé par 10, ce qui fait 0,23. Et ainsi de suite. Bon, sachant que ce que l'on recherche, c'est le plus petit chiffre possible. Hein. On est aujourd'hui à 0,15. Enfin, on est pour le moment à 0,15 dans le R1 C3. Donc, vous allez vérifier. Alors, certaines fois, comme en l'occurrence ici, on est à 3, 4 pour 16, alors qu'on avait un chiffre inférieur préalablement. Enfin, la même cote, hein, avec le même nombre de partants. 3, 16, ben c'est pareil. 7, 3, 5, 14, ce sera plus grand. Bon, voilà. Bon, voilà. Ben, alors là, par exemple, 1, 9 divisé par 13, je pense que non, ça ne fonctionne pas. Oui, on doit être inférieur, on doit tomber à 0,13 ou 0,14. Ben bon, vous faites ça pour toutes les courses, toutes les réunions. Alors, bien évidemment, évitez les réunions avec deux ou trois courses, les mini-hippodromes et les hippodromes étrangers, et puis tout ce qui est un petit peu à risque quand même, hein, éviter de prendre un peu des risques. Donc vous allez à la fin de cette étude à trouver le chiffre le plus bas, et ce sera donc votre cheval du jour. Alors pourquoi? Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, c'est très simple, hein. L'ensemble des pronostiqueurs et des professionnels orientent les joueurs sur des chevaux qui, en principe, sont les favoris, les meilleurs, hein, ceux qui doivent gagner. Alors c'est pas une seule personne, mais c'est une multitude, un ensemble de personnes, y compris les joueurs eux-mêmes qui peuvent connaître d'autres personnes, qui déterminent ces cotes. Donc la cote la plus basse du jour sera bien évidemment le cheval qui a le plus de chances de gagner. Petite nuance, cette cote est toute relative, c'est-à-dire que le rapport probable est calculé en fonction du nombre de partants. Imaginez une course avec 10 partants sur lequel on mise chacun 1 euro. Sur chacun 1 euro, le rapport probable sera de 10, hein, 10 contre 1.
S'il n'y a que 5 partants, ben, avec les mêmes données, la cote ne sera que de 5 contre 1. Donc la cote sera plus petite pour des chevaux qui ont des chances identiques, puisque si vous divisez les 10 par 10, vous trouvez 1, et 5 par 5, vous trouvez 1. Hein. Donc les chevaux ont des chances identiques. Donc c'est pourquoi je vous suggère de diviser systématiquement le rapport du favori par le nombre de partants. Voilà. Eh bien, merci, bonne chance, en espérant que cette méthode vous rapporte du succès et de l'argent. Et à bientôt sur le site 1turf.com, sur lequel vous trouverez quelques informations complémentaires. Merci, à bientôt.